Hello tout le monde, comment allez-vous? Coucou! Je viens d'écouter une conférence super motivante. Waouh! Ça a duré 1 heure et c'est un replay, c'est en allemand, je ne peux même pas le partager. Mais waouh, c'est super motivant. J'avais déjà décidé, je pense que je l'avais communiqué ici, sinon je le répète, de recommencer ma cure de côlon et la cure de printemps que je fais 2 fois par an. Minimum une fois, mais normalement, la cure de détox, je la fais 2 fois par an. La cure de côlon, je la fais minimum une fois. Donc, j'avais déjà décidé de recommencer ça maintenant, la semaine prochaine. Tu peux faire ça avec moi si tu veux. Mais après cette conférence, moi, j'ai décidé de faire une cure de rajeunissement. Waouh, c'était motivant. Ils expliquaient exactement comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne de l'intérieur à l'extérieur, l'influence sur ta peau, l'influence sur l'élasticité et aussi évidemment des articulations. S'il y avait plein d'exemples de gens qui ont des eczémas, le psoriasis, de l'acné et d'autres problèmes de peau que moi j'ai toujours eu le bonheur de ne pas avoir. Mais c'était wow, c'est vraiment super motivant. Donc je le mets ici d'un côté comme ça, c'est dit publiquement. Tu sais comment ça fonctionne. Quand tu déclares quelque chose publiquement, bah tu vas t'y tenir beaucoup mieux que si tu le déclares juste dans ta tête. De toute façon, la décision a été prise, mais maintenant elle est doublement prise et ça va être intensif dans le sens que va y avoir donc une cure de côlon, une cure de printemps. Et moi, je prévois de faire tout le reste en ce qui concerne cette cure de rajeunissement jusqu'à, en fait, l'été. Parce que j'ai juste simplement envie de me faire énormément de bien. Je vais aussi servir moi-même de cobaye. Enfin, je connais les gens chez qui j'ai écouté cette, je les connais très bien, qui ont donné cette conférence. Donc, je leur fais 100% confiance. Et je suis typiquement quelqu'un qui va fonctionner en vague. Je ne sais pas comment c'est chez toi. En vague, je vais donc faire une cure et puis je me laisse aller. Et parfois, je me laisse beaucoup aller. Donc, je vais de nouveau boire de l'alcool, manger des gâteaux. Bah, c'est dans le système, les gâteaux dans ma famille en Allemagne. Mais si tu vois comment ils se nourrissent là maintenant, je vois d'où je viens. Et donc, quand je me laisse aller comme ça, bah, c'est des vagues. Et c'est OK aussi. Hein. J'ai des vagues. Je vais, par exemple, en ce qui concerne le soin de la peau, être assez feignante, d'utiliser très peu. Et là, j'ai envie de vraiment, une fois essayé, ce que ça donne compte de l'intérieur. Je prends soin de moi pendant 6 mois. Jusqu'à l'été, ça nous fait 5 mois. Mais aussi de l'extérieur, d'utiliser les produits bah voilà qui que tout le monde utilise, enfin tu vois que moi j'essaye pas. Donc on va voir ça. Si ça t'intéresse de voir exactement ce que je fais, je me suis dit c'est tellement génial, je suis tellement enthousiaste, je vais faire une page sur mon site web qui va s'appeler comment prendre soin de soi, de son corps, mais même avec les crèmes et les compléments alimentaires, la nourriture, les exercices anti-stress, etc. Donc, je vais mettre mon programme en place, si tu veux, je le partage avec toi et on peut le faire ensemble. Ça, ce serait méga cool. Mets-moi un commentaire parce que moi, j'aime toujours bien faire les choses en groupe. Beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Et si on peut le faire ensemble pour une fois, ça serait génial. Donc, mets-moi un commentaire, contacte-moi si tu veux en savoir plus. Je t'envoie toute l'information que j'ai vue dans ce webinaire. Je te fais un petit résumé en français de ce que j'ai entendu en allemand. Et waouh, on fonce, on fonce. Et puis on se fait des photos, et puis on le fait des photos après, et on voit ce que ça donne pour l'été. Bah, là, ça doit être méga cool. Mais l'apparence est une chose. Ça, c'est pas si important. Mais je sais comment je me sens quand je prends soin de cette manière-là de moi. Et ça a un impact sur carrément l'alignement, la spiritualité, la clarté. Et là, tout ce que je fais avec la Chandra est autour de cet alignement. Et quand tu aides ton corps, ça je le sais, de l'intérieur, tu fais des cures. Mais ton corps, il vibre autrement et t'es tellement plus facile. C'est presque instantané et naturel. Je pense que notre état naturel est cet alignement, vraiment. Et quand on encombre le corps,
ou quand on mange émotionnellement, ou qu'on boit parce que on veut étouffer quelque chose qu'on n'a pas appris à accepter, eh ben, on encombre le système et l'alignement devient un effort. Et ça, faisons le moindre effort pour pouvoir être naturellement aligné. Faisons les efforts, peut-être on va le dire comme ça, pour pouvoir aider à cet endroit où nous voulons. Nous sommes faites pour vivre dans cet alignement. C'est là qu'il y a le bonheur, c'est là qu'il y a la clarté, c'est là qu'il y a la légèreté, c'est là qu'il y a cette mission de vie. Il y a un seul endroit comme ça, un seul au centre dans cet alignement. Et nous avons tous une soif inouïe pour ça, sans le savoir. Cette soif, on va l'entendre, on va la sentir, ça va nous faire souffrir parce que tu as vraiment soif, comme si tu n'avais pas bu pendant des années. Ça te dessèche de l'intérieur. Et cette soif fait qu'on cherche les solutions. Et je sais où elle est. Et donc autant faire tout ce que je peux pour permettre à mon corps d'être déjà là, alors que tout le reste peut s'aligner et suivre. Donc si tu as envie en savoir plus et faire ça avec moi, alors mets-moi un commentaire et c'est avec grand plaisir que je vais me mettre là à travailler sur ça, à te faire une page avec cette information. Mais sinon, on parle ensemble tout simplement. Bonne journée, à ce midi, bye bye.